Bienvenue à Fast and Magic. Le grenier dans mon coffre. Alors là, c'est la promo du mois. 15 euros. Eh, là, vous êtes vraiment gâté. 12 routines. 15 euros, 12 routines, ça fait même pas 1 euro la routine. Ah, c'est... Bah, c'est dingue. Ah, saisir. Surtout absolument. Que c'est quand même du tout bon. Hein. Ouais, donc c'est un spectacle que tu as fait au double fond, que tu expliques. Explication détaillée. Ouais, en public. Hein. Ouais, faut le voir. Du temps où il y avait du public, tu vois. Ouais, mais bon, ça va revenir. Ça. Mais oui. Ouais, ça dépend quand est-ce qu'on filme, vous savez pas, ça, mais bon, peu importe. Mais ouais. Bon, bref, c'est la promo du mois, 15 euros, c'est à saisir, c'est hyper rare, c'est le top, c'est... Le grenier dans mon corps. Un tour de petit paquet, et pas n'importe lequel, Aladdin de papa. Alors c'est un tour, t'es debout, ils sont debout, vous êtes tous debout, tiens, t'as ça dans ta pocket, tu peux le faire. C'est un truc de petit paquet, facile à mettre en place, t'as pas besoin de table, rien besoin. Maintenant je vous montre de quoi il s'agit, c'est très puissant. C'est un tour avec en fait que des cartes à dos bleus, et la seule carte à se rappeler c'est le 8 de trèfle. D'ailleurs il est là, je vous le montre. Alors soyons clairs, 8 de trèfle, en fait j'en ai plusieurs. J'en ai deux. Comme vous insistez, vous avez l'air d'ailleurs d'insister, hein, je vous entends. Oui, on peut en monter trois, oui. Et à la limite, puisque ça vous aimait bien, on peut le faire avec quatre. Est-ce que vous vous souvenez par hasard de la couleur des dos? Bleu. Ah, oui. Non, c'était avant. Bon, donc c'est pas grave, mais bon, c'était pas mal, hein, c'était bien. Mais peut-être les faces, vous vous souvenez les... Bah, des 8 de trèfle. Oui. Ah, oui, non. Mais non, c'est parce que ça, non. Les 8 de trèfle, c'était avant. Parce que des 8, si je résume la situation, j'en ai un, mais à dos rouge. Hein, je vous ai pas tout dit. Hein. Bah oui, j'ai des secrets, quoi. Bah, je suis magicienne, quoi. Je peux pas tout vous dire non plus. D'ailleurs, je me souviens pas si je vous ai pas déjà fait celui-là. Vous l'avez fait, non? Non. Il est pas mal du tout. Un peu compliqué à suivre, peut-être, mais un peu vachement bien, non? C'est pas hyper puissant, ça? Eh ben, ça, c'est Aladdin. De papa. Tour de petit paquet vachement bien. Pas cher. Trop bien. Technique, bon, ça va, un peu de travail, mais c'est pas la folie. Toute situation, tu peux l'avoir toujours sur toi. Enfin, bon, c'est le top. Vas-y, bye. De voir ce truc. Alors, Crackbonto, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un bonto en fait qui se fait avec une carte noire, une carte rouge, une carte noire. En fait, le truc classique quand on fait un bonto. Ah bah, elle est là. Ah oui, non, mais attends, elle n'a pas encore dit ce qu'il fallait faire. Donc, c'est vrai que d'habitude, on mélange, tu vois, les façons là. Mais là, l'idée, je vous faciliter la chose, c'est, par exemple, voilà. Je mange. Et en plus, cerise sur le gâteau, je supprime une carte. Là, c'est encore plus facile. Peut-être si je fais ça, où se trouve la rouge? Bah, là, c'est facile. Hein. Non, perdu. Non, non, non. C'est pas possible. Bon, en fait, je vous explique, j'ai fait un geste rapide et du coup, accès dans la poche. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Mais il faut suivre la rouge. Mais bah, elle est là. Mais oui, mais souvent, les gens, ils ont du mal à comprendre suivre la rouge. Donc, des fois, on peut leur faciliter la tâche juste en faisant ça. Hein. Quoique c'est pas possible parce que. Pour marquer, on peut faire ça, ça c'est quand tu comprends vraiment pas les règles et qu'il faut suivre la rouge. Quoi. Ouais, d'accord. Chez Mayette, on peut trouver ce truc là. Comment perdre une carte? Tu vois, mais vraiment perdre une carte. Ouais, tu donc là, ouais, elle est là, ouais. Tu l'enfonces dans le jeu, comme ça t'évites tout ce qui est break, brisure, tout ce que tu veux. Ouais. Et ensuite, je te conseille comme ça de frotter. Quand tu frottes, en fait, ce qui se passe. C'est que tu fermes l'étui, mais tu le fermes vraiment. Attends. Il y a même le cellophane qui est revenu. Attends, c'est un jeu neuf? Et ouais. Ah oui, il y a... Je suis Mayette. Purée. Alors évidemment, il y a la Bible, la vraie Bible, hein, en religion. Mais tu as la Bible en magie. Tommy Wonder, sous forme de 2 volumes, super top. Vraiment, je vous conseille instamment de vous procurer ça. Il y a toute la science, toute la magie de Tommy là-dedans. Que ça soit du close-up, du salon, de la scène, de la carte magie, des pièces, plein de choses. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle la Bible en magie. Tommy Wonder, le top. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.